Les codes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du WFC. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est ensemble, c'est mercredi, on est au cœur des huitièmes de finale, retour de cette Ligue des Champions. Je vais vous avouer que je les aborde un peu plus tranquillement. ça m'a changé, ça faisait longtemps que... Tiens, il y a la suite des huitièmes de finale retour et on va voir ce qui va se passer, hein. ça va être cool, ça va être bien. On est là, on va revenir encore un peu sur le match du Paris Saint-Germain hier. On va revenir aussi, bien sûr, sur le Bayern qui s'est qualifié, qui a renversé la vapeur face à la Lazio. Et puis, on va se projeter avec les matchs du soir. Ce qui est une dinguerie ce soir. Je peux dire ça avec un grand sourire maintenant. On se posera la question. Elton Mokolo, bonjour. Il y a que les connaisseurs qui connaissent. Les connaisseurs sont là à 13h01. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir que tu sois heureux parce que je connais ce sentiment d'être encore en vie dans un tournoi. Je l'ai vu il y a un mois avec la CAN. Donc ça me fait plaisir pour toi et pour le peuple parisien. Avec la CAN, avec l'autre club, le club que tu supportes. L'AS CAN, ils étaient qualifiés en Coupe de France. On parle de la Ligue des Champions. Mais dans le sens où encore t'es encore en vie dans la compétition, donc tu profites. Et en Ligue des Champions, toi tu le ressens sur les dernières années? Non, mais c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas la semaine prochaine? En tout cas, j'espère qu'ils vont tout faire pour. Mais en tout cas, ça me fait plaisir pour moi, pour le peuple parisien. Exactement. Parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour mes amis parisiens. Et donc, s'ils sont heureux, bah, moi, je suis heureux par extension. Mais c'est vrai. Oui, Walid Acherchour, bonjour. Salut Romain, salut. Comment il va, Walid? Walid Acherchour, une de plus. J'espère que tout le monde va bien. Tout va bien. Content. Il y a des gens qui disent que tu as perdu du poids. Non, c'est archi faux. Dernièrement. J'ai bien grossi. C'est difficile, chips. J'ai bien grossi. Moi, je pense que tu as perdu un peu de poids avec la reprise du padel, même si c'est encore très modéré, puisque tu. Tu veux que je te dise honnêtement? Quoi? Je vais être honnête. Ouais. J'avais eu une grosse gastro. Oui. D'accord. J'étais à 102 kilos avant la gastro. Je suis redescendu à 95. Ouais. D'accord. T'as perdu 7 kilos sur la gastro. Ouais, 6 ou 7 kilos. C'est pas mal quand même. J'avais fait une gastro 10 jours et tout, etc. Et depuis ce jour-là, j'ai fait un petit peu de régime pendant 10 jours que j'ai pas tenu. Ouais. D'accord. C'est toujours ça. Et depuis, donc ça doit remonter à un mois peut-être, un mois et demi, depuis, je me suis pas repesé. Ah. Et donc t'appréhendes ou pas? Et depuis, je suis revenu au Walid. Et moi, je pense que mine de rien, ça joue un football, peu. Parce que t'as pas fait de sport pendant un an. Oui, j'ai donc repris le padel. Le peu de sport que tu refais, ça t'aide forcément. J'ai repris le padel. D'ailleurs, je t'ai vu avec ton petit sac et tout. T'es prêt, là? Il y a un gros match. Il y a un gros match. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah ouais. Je suis avec Stephen Brun contre Mika et Atem Ben Arfa. Ah oui. Ah d'accord, ok. Avant, il jouait avec Babacar Sall, Romain Bédoukal. Là, c'est mon premier. J'avais un gros match là contre Mehdi Lassen et Mika avec Stephen Brun. On a gagné il y a 3-4 jours. Ouais, c'est ça. Mais là, ça monte en gamme parce qu'apparemment, Atem, bon, je l'avais laissé il y a un an avant ma blessure où il jouait. Ouais, mais alors, l'histoire raconte qu'en gros, Atem Ben Arfa a pas mal de temps pour lui. Oui. Et qu'il s'est dit, je me suis fait torcher une fois au padel, je vais prendre le truc et je vais tordre ce sport. Exactement. Et qu'il est un peu en mode, je tords ce sport. C'est vraiment. Ouais. C'est incroyable, mais bon, on va voir s'il a progressé, etc. Donc je pense qu'on va passer un sale quart d'heure. On va juger sur pièce. On va juger sur pièce, mais donc je vais voir si j'ai retrouvé entre guillemets mon niveau d'antan. Tu crois ou pas? Non, j'y crois pas. Je pense que je vais être en grande difficulté. Après, tu joues Stephen Brun. Stephen Brun, il joue. Ah oui, Stephen gagne beaucoup de points. Stephen est très fort, il va me soulager, etc. Ouais. Mais je pense que je tiens un 7. Parce qu'en fait, le problème au padel, c'est qu'à un moment donné, ils vont mettre au frigo Stephen. Ils vont me jouer énormément. Donc le problème, c'est que je vais être. Mais vous êtes très complémentaire avec Stephen. Mais je vais être sollicité. Parce que lui est très attaquant, toi, tu es très défensif. Ouais. Mais donc voilà, on va voir. Mais je n'ai pas maigri. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le disent. Mais hier, j'étais en noir, et quand t'es en noir, mais je n'ai pas maigri. Ouais, t'as l'air moins... Et j'espère que je n'ai pas tout repris ce que j'avais perdu, notamment sur la gastro. Alors, on nous dit Mika le chanteur? Non, Mika... Muntadir. Mikael Muntadir, l'humoriste. Ouais, parce que Mika le chanteur, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup padel. Mais voilà. On est très heureux d'être avec vous, les Winamis. J'espère que ça va bien.
Walid, termine Elton sur le Bayern, s'il te plaît. Non, là, il n'y a rien à terminer aujourd'hui. Ils ont gagné hier, 3-0. Oui, on va venir. Non, t'inquiète pas, Elton, hier soir, je l'ai attrapé sur autre chose. Pas sur Bayern Munich, sur une autre équipe. On s'est vu. Il n'y a pas eu de. Voilà, il a été très honnête. Très, très bonne séquence sur les pénaltys hier. On s'est serré la main. Merci beaucoup. Très, très bonne séquence. Je pense que je peux. Apparemment, tout Twitter. Tout Twitter y va. Tout Twitter à 50 000 euros. Moi, je pense que. Tout Twitter y va. J'ai vu ça. C'est j'ai vu ça. Moi, j'ai dit. Je pense qu'un pénalty. Le penalty, c'est le seul exercice dans le foot où je suis assez en confiance. Je pense que j'y vais. Ouais, c'est vrai que t'as une bonne frappe. Ouais. Toi, t'as une bonne frappe. Je pense que j'y vais. C'est tes seules qualités, mais t'as une bonne frappe. Ouais, ouais, je pense qu'arrêter, il n'y a pas, pas énormément de déplacements. Malheureusement. Ah, tu penses que mental. Bah, bizarrement, mon mental sur les penalties ne s'est jamais. Ah ouais, ouais. Bah après, face à Neuer et Courtois, peut-être que t'as jamais joué pas pareil. C'est pas pareil. Bah après, mais... on va pas se mentir. S'il a une chance sur trois, s'il va du bon côté. Non, parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que, c'est que Thomas, Elton et Tidiani ont remixé mon truc en séance de 5. En séance de 5. Ouais, ouais. C'est qu'à la base, le truc, c'est un tir. Ah non, voilà. Moi, j'ai dit un tir, j'y vais pas. Non, au début, t'as pas dit ça. Je l'ai revu trois fois la séquence. Au début, t'as dit oui, un tir, oui. Un tir, oui. Et puis après, j'ai réalisé. Ah ouais, un tir. Je pense qu'un tir, personne n'y va 50 000 euros avec du vrai argent. Avec son vrai argent. Non, c'est ce que j'ai dit à la fin. À part si t'es. Ça dépend si je suis blindé ou pas. Ouais. Si je suis blindé ou pas. Ouais. Non, mais si je suis moyen blindé, genre que je le sens. Faut que t'aies combien de côtés pour y aller sur un tir? Il faut que j'ai 50 moi de côté. C'est tout? À toi, si t'as 50 de côté, t'y vas? Ah non, moi il me faut 500 000. Non, non. Ah non. Hein? Pas 500 000. Ah ouais, il me faut 500 000. En fait, moi je pense. Je me fais un kiff. Je pense que. Si... tranquille, l'appartement qu'on devait acheter là. Attends, vite fait. Je pense je pense que si j'ai en fait, si j'ai assez de pécule pour que je sente que ce que c'est 50 000 euros, genre, c'est pas. Je donc 500 000 pas. Non. Ah, si. Mais je le sente quand même. À 200 000, 50 000, ça me fait très très mal, mon pote. Moi, ça te fait moins mal qu'à 100 000, par exemple. Oui, effectivement, oui. Oui, voilà. Mais donc, on nous demande qu'est-ce qu'il y a eu avec Twitch. Il me semble qu'il y a eu un bug de ban de chaîne. Donc, les équipes de Winax. Il y a eu deux, trois choses qui étaient évitables, on va dire. Ils ont passé un épisode de Soprano. Ouais. Ah, c'est ça, où il y a quelque chose. Ouais, où il y a quelques blagues. Bon, d'accord. Ils sont en train de voir, avec Twitch pour que ça revienne. Pour que ça revienne. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Mais apparemment. Mais ça devrait revenir, les communications de Winamax et de Twitch qui se parlent pour que ça revienne. Donc en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube et sur comment la YouTube-ry. Mais ouais. Tu mets quel gardien, toi? Tu mets quel gardien, toi? À toi? Ouais. À toi? Non. Quel gardien? Tu toi, le termines. Moi, toi, je te mets Donnarumma. Vu que t'es un grand, fan. Mettons le meilleur. Allez-y. Mettons le meilleur sur le truc. Vu que t'es un grand fan de Donnarumma, je pense que tu peux te chier dessus. Donnarumma? Ouais. Je sais pas si c'est la logique de se chier dessus face à Donnarumma. Exactement. En fait. Je sais pas si je me suis dessus, mais c'est pas le plus facile. Salut. C'est-à-dire que s'il y avait un autre grand. C'est un mec comme ça qui vient comme ça et tout. C'est quoi, Centro Redou? Bonjour. Au campus? Campus PSG. Campus. Ah, bonjour. 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 J'aime beaucoup ce que tu fais sur France Bleu. Et là, c'est où tu es. Ciao, ragazzo. Les grands, Donnarumma. Très bonne émission. France Bleu. Bravo. Et là, je peux te le dire. Là, la balle, tu la retrouves à Chambourcy. À Chambourcy, là. On nous demande d'où vient la jaquette, le gilet. C'est Winamax. C'est Winamax, donc c'est dispo sur le site, vous pouvez y aller. Le survêtement à l'express de Romain Bédou, Gundogan. Gundogan fait partie des sosies, visiblement. Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Moi, je trouve pas. Bah, c'est juste que j'ai une tête de turc. Parce qu'on Maxime Mermoz. On m'a dit Gundogan, Emre Can, on les a Maxime tous dit. Maxime Mermoz, oui. Tu sais que je l'ai vu aux Enfoirés. Ah ouais, on était dans la même pièce ensemble. Ouais, il était venu avec Antoine Dupont. Pour la première fois, on était. Mmh. Est-ce qu'il y avait Huss? Non. Huss, pourquoi aux Enfoirés? Huss, l'Enfoiré. Ouais. Je sais, je l'avais, hein. Oui. Il l'avait là, oui. Programme de l'émission. Programme de l'émission. Oukidja, tu lui mets un péno déjà, Romain. Pff, c'est facile, ça, Oukidja. Oh, ouais, j'irai pas quand même sur le facile. La victoire du Paris Saint-Germain hier, la qualification, valide-t-elle le mercato de Luis Campos? Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans le 11 aligné, dans les 16 joueurs utilisés par le Paris Saint-Germain, il y avait énormément de joueurs achetés depuis que Luis Campos est arrivé, énormément de joueurs achetés cet été également. Est-ce que ça fait que ça valide le mercato de Luis Campos? Vous donnerez vos avis. Parmi le mercato de Luis Campos, il y a également Lucas Beraldo. Est-ce que Lucas Beraldo vous a impressionné? On va pouvoir revenir, on en a un peu parlé hier dans les notes, c'était Tidiani qui avait donné son avis, ça tombe bien, il n'est pas là. Donc, est-ce que vous avez été impressionné par Beraldo? Est-ce que le statut de Beraldo peut être modifié déjà?
Parce que vous voyez Beraldo, bah, je sais pas, tout le monde revient de blessure. En fait, Beraldo, il reste. Ce serait possible. Ensuite, on parlera du Bayern. Est-ce un simple sursis pour Thomas Tuchel qui pouvait se faire virer si le Bayern n'était pas éliminé ? Ça ne sera pas le cas. Il y aura un quart de finale pour le Bayern Munich. Et puis, on parlera d'Harry Kane. Est-ce que la réputation d'Harry Kane de loser est-elle injuste ? C'est une vraie question. Triste question pour Harry Kane. Et puis, on terminera avec un petit coup franc sur le Real Madrid-Leipzig. Petit coup franc Real Madrid-Leipzig, est-ce qu'on voit une dinguerie sur ce match-là ? 1-0 à l'aller pour le Real Madrid. Ça joue au Bernabeu. Ce qui est une folie. C'est jamais. C'est jamais. On y va ? Le dossier est à l'étude. Ouais. On y va ? Ah ouais ? Ah ouais. Oui, c'est à l'étude. Tout comme la suspension et peut-être la possible condamnation d'Ancelotti en Espagne. Après ça, en général, en Espagne, ils ont toujours un arrangement. Ouais. 4 ans et 9 mois, bon, c'est pas grave, on va vous mettre un petit brassard. Bah oui. Tu sais comment ça va se passer ? Ça va passer en dessous de 2 et en gros, il les fera pas. Comme on a toujours dit, moi, je n'ai peur que de Dieu et du fisc. Du trésor public. Ouais. Exactement. Ah, trésor c'est public. Que, c'est vrai qu'on va rappeler. Ouais. Quand je reçois un message et tout, je fais aïe, aïe. Ça, on doit le prononcer. Payez vos amendes, les gars, payez vos amendes. Hein. Ouais. Tous les amendes. C'est quoi, blague à part ? Ouais. Les infos. Ouais. C'est un Walid que j'avais dit l'été dernier, m'ont réveillé au mortier. Écoute, mon pote, t'as pas eu ce que j'ai eu, moi. Ah oui, mais toi, c'est encore pire. Mais payez vos amendes. Moi, mon petit niveau. Payez vos amendes, payez vos. Comment dire ? Payez vos impôts. Payez vos impôts. Payez votre URSSAF. Ouais, payez votre URSSAF. Payez. Parce qu'un jour, vous allez avoir... un jour, il y a une régule. Un jour. Il y a toujours la régule. Un jour, vous vous en sortirez. Bon, après, les impôts, c'est automatique maintenant. C'est un prélèvement automatique, donc ça va. Pas pour tous. On y va. On démarre avec le Paris Saint-Germain et le Mercato tout de suite dans la causerie. Restons sur le sportif. Ouais. causerie donc sur le Paris Saint-Germain. Déjà, je vous montre un petit code killer du PSG. Il y en avait deux autres qui étaient passés hier, mais Ancelotti, il n'a pas payé leur staff, c'est ça qui te fait marrer. Même s'il est ici, je sais me battre. Tu sais qu'il y a un grand débat, on ne sait pas ce que c'est le métier d'huissier. Le métier d'huissier, à la base, c'est un métier de médiateur. Alors, effectivement, c'est les derniers qui viennent pour te prendre tes meubles à la fin, mais à la base, les huissiers, ils doivent faire le relais entre ceux à qui tu dois de l'argent et toi. Et il y a plein d'aspects de négociation qui sont normalement intéressants pour un métier. En fait, tant que tu ramènes de l'argent, ils sont contents. Huissier, top 3 métier horrible. Ah bah ouais, c'est pas facile. Hein. Très, très peu de respect pour un huissier. C'est que mon avis. Hein. C'est parce qu'il y a plein d'aspects du métier d'huissier qui sont méconnus et qui sont hyper importants. Bah, le plus connu, en tout cas, celui que... Le plus connu, c'est celui quand ils viennent te chercher des trucs. Voilà, ça, celui que moi, je connais. Mais bon, bref, c'est autre chose. Dans le top 3 métiers horribles, t'as huissier. Bon, en premier, t'as contrôleur. Contrôleur RATP, moi. Non, huissier, excuse-moi. Moi, contrôleur. Contrôleur RATP, j'ai vu un truc. J'ai vu un truc passer sur... Je vais dire un truc, il s'est passé un truc il y a deux jours là, en gros, où il y avait un mec qui était en deuxième classe, un mec qui était en première classe, celui qui était en première classe, il avait son fils qui était en deuxième classe, et donc il a échangé son billet avec celui qui était en deuxième classe pour que le mec soit avec son fils. Et quand le mec était en deuxième classe à la base, s'est retrouvé en première classe, il s'est pris 270 euros d'amende. Donnons pas de leçons. Par métier horrible, je tiens à dire avec beaucoup de conviction, vous êtes horribles. C'est tout. Ils sont horribles depuis qu'ils sont commissionnés. Les voitures qui se baladent dans Paris là maintenant avec les trucs pour mettre les amendes là. Ils sont en train de pianoter sur un smartphone et là tiens, ils mettent le brassard façon John Terry. Vous avez pas honte, arrête, je vous montre la composition du Paris Saint-Germain hier. Dans la composition du Paris Saint-Germain, nous avons, alors, comme recrue depuis que Luis Campos est arrivé au Paris Saint-Germain, nous avons Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembélé, Barcola, si on doit rajouter ceux qui sont rentrés en cours de match, Likanguin, Soler, Mukiele, Kolomwani et j'en oublie un, il doit y en avoir encore, bref, de recrue par Luis Campos. Est-ce que, pour vous,
ça valide le mercato de, les mercatos de Luis Campos, le fait que bah, le Paris Saint-Germain arrive à passer ce huitième de finale de Ligue des Champions avec une véritable importance. On parlera aussi de ceux qui sont arrivés récemment, avec une véritable importance de ces joueurs-là. Elton. T'en penses quoi, toi? pourquoi je lance Elton d'abord? Je viendrai après. Non, moi, pour moi, ça ne valide pas. C'est un processus du côté du PSG. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des jugements définitifs au sortir d'un huitième de finale, gagnant de la même manière qu'il n'aurait pas fallu avoir un raisonnement définitif après un huitième de finale, perdant, ce que je veux dire par là. Le PSG est dans C'est Ugarte que j'ai oublié, merci. Ce que je veux dire par là, le PSG est dans un reboot du projet. Ce n'est pas neutre ce qui s'est passé l'été dernier. Tu as dit au revoir à des pages glorieuses. Et j'insiste, à des pages glorieuses de ton histoire récente avec les départs de Neymar, les départs de Verratti. Ce n'est pas rien pour un grand club, pour le PSG. Et par rapport à ça, tu as écrit, tu as lancé une nouvelle histoire avec des recrues qui doivent s'habituer au standing du PSG parce que le PSG est un grand club européen. Il y a une pression qui est différente et il y a des joueurs qui ne sont pas habitués forcément à cette exigence-là. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta fortune diverse quand on parle des mercato. Il y a des recrues qu'on n'attendait pas forcément, qui sont en train de montrer de bonnes choses. Il y a des recrues qu'on attendait, eu égard notamment à l'investissement transfert, qui sont un peu plus en difficulté. Mais ce n'est pas pour autant que l'un, on doit être dithyrambique, on doit être définitif quant à sa capacité à s'être imposé du côté du PSG parce qu'on a une réflexion moyen-long terme. De la même manière que les joueurs type Colomouani ou Garté, qui sont un peu plus dans le dur, eh ben on ne va pas les écarter. Ce que je veux dire par là, on est dans un processus. Donc je pense que même Luis Campos se dira que ce n'est pas un mercato qui est validé. C'est un mercato qui te donne notamment une idée de ce que pourrait être le PSG à moyen et long terme. Mais pour moi, ce n'est pas validé. Je vous montre, je vous ai récapitulé en graphe. Vous pouvez répondre sur la question, le mercato de Luis Campos. PSG grand club européen, ils sont 4e au coiffe UEFA, ce n'est pas neutre. Bah, ils sont dans le top 8 maintenant, puisqu'ils sont sur le 4e coiffe UEFA, ça vaut ce que ça vaut. UEFA. Ah non, mais oui, ça me démontre quoi, t'es dans les 8 derniers, quoi. T'es dans les 8 derniers. T'as enchaîné les 2 huitièmes de finale sur les 2 dernières années, quoi. Ouais, mais à côté de ça, t'as fait demi-finale, t'as fait finale de Ligue des Champions. T'as fait deux fois deuxième de poule. Oui, et t'as aussi fait finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions. D'accord, très bien. Ce que je veux dire, c'est que tu... Oui, peux... enfin, c'est 3/4 de finale sur les 8 dernières années. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Calmez que... quand même. Ouais, mais pas... Oui, d'accord. Walid Acherchour, l'herbe n'est pas plus verte... T'as des arguments, j'ai les miens. Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, notamment dans des gros clubs européens. Et je suis bien placé pour parler... Lesquels? Fait sortie de Manchester City, Real Madrid et Bayern, qui a des résultats aussi conséquents. Bon, Liverpool aussi. Liverpool quand ils sont là. Liverpool ils sont même pas là cette saison. D'accord. Mais en Europe quand ils sont là. Liverpool sont pas le Bayern Munich. De la même manière. Il a dit Real Bayern City. Liverpool s'est pris les pieds dans le tapis face à Atlético en 2020. S'est pris les pieds dans le tapis. D'accord, très bien. C'est trois quarts sur les 8 dernières années. Elton, on va se calmer un peu sur le grand club européen. C'est un grand club européen. Ça doit être un grand club européen. Mais la réalité dans les faits, c'est que pour l'instant, c'est un grand club européen qui fait du surplace face au Real Madrid et face au Bayern en 2022-2023. Plus honteux. Ok, d'accord. Bon, après, c'est la manière. C'est la manière dont tu... C'est United, tout ça, etc. United, ils sont morts dans le film, eux. Non, mais United en 2019. Ah oui, mais ça, c'est un accident. Ah, c'est un accident. Et c'est un accident. Ok. Ouais, si on pouvait avoir un peu moins d'accident. Ouais. Le mercato de Campos est-il validé? Vous répondez par oui ou non sur les différents chats. Je vous ai mis, et on l'a revu, mais je vous remets le graphe, mine de rien, parce qu'on a loué la prestation collective du Paris Saint-Germain hier. Mine de rien, sur les 16 joueurs utilisés, il y en a 11 qui sont arrivés depuis donc, un an et demi. Il y en a 7 qui sont arrivés cet été, et j'ai mis le nombre de titulaires à chaque fois. Tu as un peu plus d'un tiers de l'équipe hier qui est arrivé récemment. Walid, est-ce que ça te valide le mercato de Campos? Bah non. Non, ça ne valide pas. En quoi on est satisfait hier sur le match? La surprise très, très agréable, c'est Beraldo. Exactement. Et là, oui. Là, on doit féliciter Campos, parce que je le voyais pas. On en parlera après. Voilà, je le voyais pas à ce niveau-là, et je pense qu'il est titulaire parce qu'il y a aussi beaucoup de blessures. Mais le voir à ce niveau-là, à 20 ans, au poste de défenseur central, ça reste surprenant. Et je dis sans enlever le mérite à Beraldo, mais heureusement que c'est la Real Sociedad, match retour où tu gagnes 2-0 aussi, hein. Parce que si aujourd'hui, Beraldo, tu l'envoies au feu contre une équipe un peu plus forte, etc., je ne sais pas comment ça réagit. Et ce serait totalement normal parce que c'est son troisième, quatrième match. Son deuxième match de Ligue des Champions. Deuxième match de Ligue des Champions où il a joué à gauche à l'aller et au poste de défenseur central au retour. Mais globalement, hier,
OK, on n'est pas surpris que Lucas Hernandez soit capable de faire ce type de match. Dembélé, moi, a été décevant hier. Barcola ouais. est sorti à la mi-temps. Il n'y a que moi qui ai bien aimé le match de Dembélé, je crois. Dembélé, on l'a expliqué. On a dit que dans son profil, par rapport à ce qu'a voulu mettre en place Luis Enrique, a beaucoup gêné, et Alguacil l'a dit, a beaucoup gêné la Real Sociedad sur les 20 premières minutes, mais son déchet technique à lui tout au long de la rencontre, pour moi, a été trop important pour valoriser la rencontre. C'est mon avis. Si t'en as indifférent, ça peut se respecter. Mais moi, c'est mon avis. J'ai beaucoup plus aimé Dembélé à l'aller qu'au retour. Donc, Dembélé, voilà, je viens d'en parler. Barcola, 50 millions, que j'aime beaucoup, mais il sort à la mi-temps hier. On est d'accord là-dessus. T'as 250 millions sur le banc. Au départ, où t'as Ugarte, 60 millions d'euros, ton entraîneur, il préfère mettre Vitinha face au jeu, et heureusement qu'il le fait, parce que c'est une bonne chose. Et t'as Ramos et Kolo Muani qui sont sur le banc. Ramos ne rentre pas ? Non. Et Kolo Muani, il rentre quoi ? Il rentre. Non, il rentre un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, voilà. Donc, si aujourd'hui on doit arriver, tapis rouge, super mercato, finalement, on s'est trompé. Non, mais par exemple, bon, Barcola il sort, mais il est remplacé par Lee Kang-in. Lee Kang-in, il fait une bonne deuxième mi-temps. Il fait une belle performance. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que la vitrine, notamment de ton mercato, sont les recrues les plus conséquentes. D'accord. C'est de constater. Si sur 400 millions, t'as eu 2-3. Ok, t'as 3-4 bons joueurs. Ok, on le sait, ça, heureusement quand même. Mais t'as quand même mis 80 millions. En fait, c'est Ramos Kolo Muani qui vampirise tout. Et Ugarte. Bah oui, c'est ça. Et Ugarte qui a. Après, Ugarte, il est jeune. Mais je te parle de maintenant. C'est un investissement long terme, Ugarte. Kolo Muani aussi, alors à ce moment-là, c'est un investissement long terme. Il a 25 ans. Ouais. D'accord, ok, 25 ans, 22 ans. Aujourd'hui, d'accord, mais 25 ans, il ne vient pas pour une saison, Kolo Muani. Il n'a pas 32 balles. C'est des recrues qui sont là si tout va bien. Pour s'inscrire dans la durée du côté du PSG, parce qu'à partir du moment où on lance un nouveau cycle, on veut que ces joueurs-là puissent s'inscrire dans la durée. Mais maintenant, il va falloir le mériter sur le terrain, parce qu'une fois qu'on a dit qu'ils ont coûté cher, une fois qu'on a dit qu'ils ont des longs contrats, on sait très bien que du côté du PSG, on est sur le jugement permanent. Et surtout, c'est aussi pour ça, pour aller dans ton sens, Elton, que j'ai posé la question, pas que de l'été, mais des deux dernières années. Par exemple, un Vitinha qui a coûté 40 millions l'année dernière. Si tu veux parler des deux dernières années, mon pote, on va te la faire la liste. Hein. Non, mais si c'est juste uniquement Vitinha qu'on doit rehausser, parle-moi de Renato Sanchez, parle-moi de Skriniar, parle-moi d'Ekitike, parle-moi de Galtier, parle-moi de, comment il s'appelle, Fabian Ruiz, qui encore une fois coussi-coussa, et c'est pas dingue. Parle-moi de Carlos Soler, parle-moi de voilà, j'ai dit Skriniar. C'est quand même conséquent. Donc, je suis désolé. Oui, d'accord, Beraldo, une super trouvaille. Et encore, Beraldo, on en a dit beaucoup de bien hier, à juste titre, mais on va attendre confirmation. Hein, Kimpembe, il avait fait aussi un énorme match contre le Barça derrière. C'est ce qu'on a dit sur les joueurs du PSG, le jugement permanent. Idrissa Gueye avait fait un super match contre le Real Madrid. C'était en poule, le 3-0. Oui, d'accord, très bien, mais il faut qu'on... Oui. Parce que je veux dire, si c'est aujourd'hui qu'on dit Luis Campos sur un, il a eu 600 millions sur deux mercato et qu'on doit se palucher sur Beraldo, ok. On doit se satisfaire, Walid. On doit se satisfaire, ok. Bah d'accord, très bien. Non, oui. Il n'y a pas que Beraldo. Non mais heureusement que Luis Campos, ça fait 15 ans qu'il est dans le métier. C'est l'un des mecs les plus compétents du circuit. Ouais. Si aujourd'hui il n'arrive pas à trouver 3-4 mecs aussi, avec 600 millions à un moment donné. Ça a toujours été ça n'a jamais été un. Ouais, Skriniar, il est venu gratos, mais Skriniar, il est venu, non Ça n'a jamais été un recruteur qui avait bon sur tous les choix. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit à Monaco ou à Lille, c'était à chaque fois un grand nombre de joueurs. Et il y en a qui vont sortir et qui vont faire que. On va l'évoquer tout de suite. Il y a la matière théorique, ensuite il y a la matière pratique. Comment elle est mise en valeur. Et là arrive l'importance de l'entraîneur. Bah justement, tiens, si on fait ce petit débat avant de passer plus spécifiquement à Beraldo, c'est... Jacozo toi... MX qui le dit, bon. Et je suis d'accord avec lui, Beraldo est très bon hier, mais jamais il doit être dans le 11 type. Bon, on va en parler. Hier on va soir, pour beaucoup, c'est circonstanciel par rapport aux blessures de Skriniar, Marquinhos et Danilo. Ouais. Excusez-moi pour le mot, j'ai un peu. Oui. C'est pas luché, ouais. Il s'est touché la guitare. Ouais. Il s'est touché le ukulele. On s'est pas du tout fait ban de Twitch, donc c'est pas du tout risqué de balancer. On a la chance d'avoir une langue extraordinaire énormément de mots. C'est vrai, Elton. C'est l'effectif conséquent qui a amené à avoir plein d'options pour Luis Enrique, ou c'est le taf de Luis Enrique qui a amené à ce qu'il y ait beaucoup plus de cohérence. Pour moi, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. À partir du moment où Luis Enrique a du choix
de par la surface financière du côté du PSG. Tu as encore eu un mercato d'ajustement cet hiver avec Beraldo. Tu peux avoir du choix, donc tu peux influer sur le tableau noir. Et ensuite arrive le travail de l'entraîneur, parce que hier on l'expliquait, le fait de voir Colomani, le fait de voir Gonçalo Ramos, le fait de voir Ugarte, c'est peut-être une pierre dans le jardin de la direction sportive du PSG, parce qu'on aurait aimé que ces recrues soient sur le terrain pour attester du fait qu'on a investi de manière conséquente sur des joueurs qui vont être très rapidement fiables, de la même manière que c'est la meilleure publicité pour le travail de Luis Enrique, à savoir que Luis Enrique se marie avec personne. Luis Enrique valorise davantage la performance au quotidien. Et à partir du moment où il valorise la performance au quotidien, il va s'appuyer sur des joueurs qui, pour nous, n'aurait pas forcément ce rôle de protagoniste tout de suite, mais par la force des choses, par le travail, parce qu'ils sont convaincus par ce que fait Luis Enrique, parce que surtout Luis Enrique est convaincu par ce qu'ils sont capables d'apporter, et ben, ils vont arriver sur le terrain et vont être performants. Le fait d'avoir un Beraldo qui est responsabilisé aussi bien au match aller où Luis Enrique, spontanément, il te dit c'est un choix 100% technique, alors qu'on sait très bien que Lucas Hernandez avait la gastro, et Luis Enrique, non, c'est un choix technique. Donc, les joueurs, ils sont convaincus, ils sont habités par ça, et ils le rentrent sur le terrain. Donc, pour moi, c'est la meilleure publicité, à savoir que des joueurs, entre guillemets, pas prévus forcément pour avoir un rôle premier au PSG, eh ben, sont capables d'apporter leur contribution à l'occasion d'un huitième. Je te pose la question autrement. Est-ce que c'est Luis Enrique qui a réussi à trouver la parade pour mettre en valeur son effectif, ou est-ce que c'est un effectif qui, à la base, correspond un peu plus à ce que Luis Enrique veut mettre en œuvre? J'ai pas compris la question. en fait, en gros, c'est Luis Enrique qui tire. C'est Luis Enrique qui tire le. Est-ce qu'il tire le meilleur de cet effectif-là qui correspond pas à la base? Je suis satisfait de ce que fait Luis Enrique et le Paris Saint-Germain hier. On l'a dit, on l'a répété hier soir. Maintenant, encore une fois, on va pas faire des débats, des bilans du Paris Saint-Germain, de l'effectif du PSG, de Luis Enrique, de Kylian Mbappé ou des joueurs. Aujourd'hui, moi il me faut encore un peu plus de biscuits là-dessus. Maintenant, il faut enterrer personne. Il faut ni enterrer Luis Enrique, ni enterrer l'équipe, ni enterrer les joueurs, ni enterrer Luis Campos. Même si encore une fois, Luis Campos, le bilan, on le fera à la fin aussi. Il faut que je sois cohérent. Même si moi, je suis pas fan de ce qu'il a fait cet été et l'été dernier, et on fera le bilan à la fin. Maintenant, la réalité, moi, il y a des choses qui me dérangent. Et ce qui me dérange, c'est que sur des dossiers aussi prioritaires dans le football comme le 6 et le numéro 9. Et bien, sur le 6 et le numéro 9, il n'est pas en adéquation avec ce que le coach désire. Ouais. Et le coach envoie quand même des signaux assez clairs sur le profil de ces trois mecs-là. Et ça, c'est quand même les trois investissements les plus importants du PSG cette saison. Et de se dire que Ugarte, 60 millions d'euros, c'est sur le banc, que Ramos... Ugarte, ta première signature. Et que, exactement. Mais je ne sais même pas si Luis Enrique... Il n'est pas arrivé. Donc ça, c'est un problème. C'est dealé avant. Ugarte, Skriniar et Asensio, c'est dealé avant, que Luis Enrique soit là. Et Ramos, qui, encore une fois... Parce qu'il faut le dire, il faut le décrypter aussi, le mercato de Luis Campos, Dembélé et Colomboigny. Ce n'était pas des choix de Luis Campos, c'était des choix de Nasser El Khelaifi, avec l'agent Moussa Sissoko notamment. Ugarte, Barcola et Gonçalo Ramos, c'était des choix de... Likangui. En gros, tout ce qui était proche de notre ami Jorge Mendes, notamment, et du championnat espagnol, du championnat portugais, c'était Luis Campos. Et par contre, les Français, entre guillemets, c'était des dossiers que lui... Barcola, parce que Barcola, il récupère avec Jorge Mendes, Barcola, c'est un cas spécifique. Je viens d'expliquer, Barcola, c'est Luis Campos le voulait, et il y avait une synergie avec Luis Enrique. Luis Enrique voulait Barcola. Moi, c'est plus ça, en fait, ce travail-là que j'aimerais bien avoir. C'est qu'à un moment donné, est-ce que sur Ramos et sur Colomboigny, et sur Ugarte, il n'était pas encore là, ça peut être compliqué pour le Paris Saint-Germain, parce que, en fait, toutes tes armes, tu ne les as pas optimisées par rapport à ce que veut le coach véritablement. Voilà, tout simplement. Si on passe à Beraldo, donc vous avez répondu au sondage, c'est le nom qui l'emporte, ça ne valide pas le... Oui, on a dit que Luis Enrique était voulu par Barcola. Ça ne valide pas le mercato de Luis Campos. Oui. Si on passe à Beraldo, alors déjà son match, on en a déjà parlé, mais...
plutôt impressionnant de la part de Lucas Beraldo. Je vous montre là, et comme ça, ça fait le prolongement, je vous montre la déclaration de Luis Enrique par rapport à Beraldo. Beraldo est merveilleux, c'est une grande surprise. C'est une recrue de la direction sportive de Luis Campos. Je ne dis pas que ça vient de lui. Je suis très content de l'avoir. Et si on va plus loin, s'il y a une ligne directrice de Luis Enrique par rapport à Luis Campos depuis le début de la saison, première conférence de presse, c'est j'ai un top directeur sportif avec moi, travail extraordinaire, merci à lui tout le temps. Chaque conférence de presse, il peut le faire. C'est bien pour un mec qui a une com désastreuse. Ah oui, oui. Oui, non, mais s'il y a un truc qui bouge pas, c'est ça. Pour moi, tu fais bien de le préciser parce que c'est quelque chose qu'on a souvent déploré du côté du PSG, mais là, cette saison, quoi qu'on en dise, il y a une coordination entre la direction sportive et l'entraîneur. Je veux dire, on a connu... En tout cas, dans le discours qui est donné. Luis Enrique, il a été régulier par rapport à... Ah oui, dans le discours qui est donné. Mettre en avant le travail de Luis Campos, et ça, dès sa première conférence de presse. Moi, j'ai connu un entraîneur que j'aime bien, qui tirait sur son directeur sportif à un mois de janvier 2019 en disant « Elle est où la recrue ? Elle est où la recrue ?» Donc tout ça pour dire que... Tu parles de Thomas Tuchel ? Je parle de Thomas Tuchel, en effet. Donc, tout ça pour... Il cherchait Paredes, je me rappelle, c'était génial. Donc tout ça pour dire que du côté de Luis Enrique, effectivement, à partir du moment où il y a une coordination entre la direction et l'entraîneur, eh ben aujourd'hui, ça facilite l'intégration de Beraldo parce qu'à partir du moment où Luis Enrique est convaincu par cette recrue, Luis Enrique ne va certainement pas hésiter à aligner Beraldo aussi bien sur un huitième de finale aller que sur un huitième de finale retour. Bon, il y en a qui me diront de manière circonstancielle parce que effectivement, tu as des absents, mais toujours est-il que Luis Enrique aurait pu prendre des risques sur un huitième de finale. Mais c'est bien de le faire, ça. C'est bien de le faire. Oui, c'est bien de le faire. Parce qu'il insiste sur Luis Campos. Il le brosse un peu dans le sens du poil, publiquement. Et par contre, sur Ramos, sur Ugarte ou sur Colomani, il n'a jamais dit en conférence de presse « Je ne suis pas satisfait de ces mecs-là ». Et que, en gros, Luis Campos s'est trompé ou « Ça ne va pas avec mon style de jeu ». Non, il a toujours dit « C'est des top joueurs voilà. ». Il a toujours défendu ces mecs. Après, et pourtant, Ramos, moi, je trouve que la gestion de Ramos, elle est parfois très surprenante de la part de Luis Enrique. Ouais. Ramos, il y a eu plein de trucs. Enfin, mine de rien, tout le mois de décembre, janvier, il est très spécial parce que il a eu un pépin de santé énorme, il a dû repartir au Portugal. C'est pas mal passé. Même pendant les vacances de Noël, il s'est fait soigner par les médecins du Benfica tellement il n'était pas bien et le PSG a quasiment rien fait pendant. Donc c'était un peu bizarre. Ouais, ça a commencé avant Dortmund et ça s'est prolongé malheureusement. Il avait une grippe ou une gastro. Mais ça l'a touché beaucoup plus que. Ouais. Donc bon, ça explique peut-être après les gestions un peu chelou. Sur sa communication, c'est bien d'adouber, entre guillemets, et surtout de ne rien dire, de ne pas attiser le feu, parce qu'on dit que c'est toujours le cirque avec Luis Enrique, avec sa hiérarchie, depuis le début de la... Pour le coup, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas enlever à Luis Enrique, c'est qu'il y a souvent une coordination impeccable avec sa direction sportive. Si tu veux, on n'a pas le souvenir d'un Luis Enrique qui se bat avec sa direction. Ça a été vrai avec la Roma, même s'il ne restait qu'une saison. C'était vrai au Celta, c'était vrai au Barça, où il est quand même resté 3 saisons. Il aurait eu des raisons, notamment, de gueuler. Et c'était vrai même avec la sélection espagnole. Donc là-dessus, on peut reprocher des choses à Luis Enrique, certainement pas d'être un gars qui va poser des problèmes à la direction. Si on revient à Beraldo, donnez-nous la note du match de Beraldo hier. Combien vous lui donnez sur 10 ? Vous n'avez pas besoin de voter plusieurs fois, vous votez qu'une seule fois sur le chat Wina et sur le chat YouTube. N'hésitez pas à nous donner, votre avis sur le match de Beraldo. Hier, Walid, et tout à l'heure, tu en as un peu déjà parlé en disant que bon, on devait aussi mettre en relief par rapport à l'adversaire du soir, mais... pour un mec qui découvre l'Europe, avoir le protagonisme qu'a eu Lucas Beraldo, notamment en première période, c'était quand même plutôt intéressant. Ah non, moi j'étais emballé par la performance. C'est dur de ne pas être emballé. Moi, pour être honnête, je n'avais pas perçu, même en défense centrale sur les matchs contre Rennes et Monaco, même si c'était mieux, bien évidemment, qu'à gauche. Parce que Monaco, Balogun lui avait imposé un défi. Parce que évidemment qu'à gauche, c'était une catastrophe. C'était dur parce que c'était pas son poste. Mais même en défense centrale, contre Rennes et Monaco, moi, j'avais pas trouvé ça dingo. Je peux être honnête, je vais pas... Après, on est sur la Ligue des Talons. Oui, mais là, par contre, sur ce match-là, j'ai trouvé que dans sa faculté à pouvoir dicter le tempo du jeu du Paris Saint-Germain... À la première relance, c'était très très satisfaisant que même défensivement. Alors attention, il a eu Oyarzabal, athlétiquement, on va dire. C'est pas Osimhen qui devient comme ça. C'est pas Balogun qui va chercher le corps à corps. C'est pas ce type de joueur là
où il faudra vérifier s'il n'est pas en grande difficulté face à ce type de numéro 9. Mais il a été très, très intelligent. J'ai trouvé Lucas Hernandez aussi très, très bon. Où la complément à la relance, quand il jouait avec Lucas Hernandez, qui arrivait avec son ballon pied gauche pour pouvoir aller vers l'intérieur, ça donnait un autre schéma de passe qu'il n'y avait pas au PSG. Exactement. Et puis voilà, il y a ce but qui, pour moi, que je n'ai pas vu depuis au moins 3-4 ans au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est lui qui l'initie. C'est lui qui l'initie avec cette petite passe où Vitinha rejoue sur lui. C'est lui qui va trouver Fabien Ruiz, notamment. Fabien Ruiz qui va trouver Vitinha quand Guinley est derrière Mbappé. Et il a été très, très propre, très, très serein, très, très fiable hier soir. Et il faut le dire. Après, maintenant, ça n'engage en rien. Oui, on ne fait pas des grandes conclusions sur la suite de la carrière de Maradona. Mais tu as vu un espèce d'échantillon de palette où le mec, sous Luis Enrique, il peut progresser. Demain, je ne sais pas si Leniero, il est axe gauche, axe droit. Axe droit. Axe droit. Donc ça pourrait totalement coller sur l'avenir, tu vois. Et moi, j'ai vu notamment des défenseurs centraux bien plus expérimentés, que ce soit au PSG ou en Europe, arriver au Paris Saint-Germain et faire une phase de poule sur des adversaires semblables à la Real Sociedad ou même un peu plus fort. Et passer complètement à côté, à la relance notamment, des Marquinhos, des Skriniar, qui ont été en grande difficulté. Donc ça aussi, c'est à mettre à son actif. Sur le chat, on nous dit, je pense que c'est grâce à son match face à Monaco qu'il est choisi hier. Alors, d'un point de vue blessure, Marquinhos et Danilo étaient dans le groupe, ils étaient officiellement aptes, ils étaient forcément diminués, mais officiellement aptes. Est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage de choix tactique aussi de la part de Luis Enrique, de se dire je suis pas dans une, vu ce que m'a fait Beraldo en défense centrale, là j'étais pas dans un qui tout double à devoir absolument mettre ou Marquinhos ou Danilo pour aller avec Lucas. Exactement, moi je suis convaincu que c'est un choix tactique parce que Beraldo a donné de... À la différence de l'aller, où là c'était pas... Oui, mais encore plus sur le match retour, parce que Beraldo donne du confort à Luis Enrique, à savoir que Beraldo incarne les préceptes tactiques de Luis Enrique. Moi, hier, j'ai vu le premier attaquant du PSG. Et ça, quand tu connais Luis Enrique, notamment sur l'importance que doit avoir la relance dans son jeu, parce que Luis Enrique, comme tous les entraîneurs espagnols, il a une pensée globale sur le football, à savoir que là, le premier attaquant, ça peut être soit le gardien, en l'occurrence Donnarumma, ou le défenseur central, en l'occurrence Beraldo. C'est-à-dire que le jeu doit commencer par là, dans sa capacité à déséquilibrer. Et ça, Beraldo, pour le coup, il l'a incarné. Donc c'est pour ça que Luis Enrique était convaincu par son profil et qu'on avait un joueur qui était responsabilisé, qui était en confiance. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi évoquer son jeu sans ballon, dans sa capacité à défendre en avançant. On a vu dans sa heatmap, il y a des interventions qui ont été très importantes pour couper la progression adverse. Tu as une intervention défensive qui est très importante au cœur de la première période où il est décisif. Maintenant, sachant qu'il n'était pas forcément aidé par un Nuno Mendes qu'on a vu plus inspiré. Qui a été en difficulté, mais pour le coup, on l'a expliqué hier, Nuno Mendes, tu comprendras beaucoup de choses parce que Nuno Mendes, c'était son premier match en tant que titulaire depuis 7 mois. 11 mois même. Maintenant, là où il y a une marge de progression pour Beraldo, on l'a vu à la fin du match, parce que quand le PSG s'est un peu démobilisé parce qu'il y avait 4-0, on a vu que la Real Sociedad a mis un temps fort et que le PSG a été moins bien, et Beraldo, il était impliqué dedans. Donc tout ça pour dire que Luis Enrique, ça va être la première personne qui sera derrière Beraldo, et moi je suis convaincu que Beraldo aura une importance sur le sprint final. Là, pour le coup, on n'est pas seulement sur un concours de circonstances parce que Marquinhos et Danilo sont absents. On a déjà vu Luis Enrique faire des choix où, en cours de compétition, il impose des choix forts. On l'a vu avec le Barça, on l'a vu avec la sélection espagnole. Et il y a un joueur, notamment comme Sergio Ramos, qui en a pâti. Moi, il n'est pas à écarter que Beraldo, sur un quart de finale, il soit responsabilisé. Bon, peut-être qu'il sera encore là, même si tout le monde revient. On saura ça et on verra ça pour les quarts de finale, parce que le Paris Saint-Germain est en quart de finale. Voilà, je dis ça avec un grand sourire. On va passer au Bayern. Allez. On va passer au Bayern, on va parler de la qualification des Bavarois. Tout de suite, en place au terrain. Place au terrain. Le Bayern s'est imposé 3-0 à la maison hier face à la Lazio. Il n'y a pas eu de surprise finalement. Il n'y a pas eu de... Ça s'est réglé en première période, en fin de première période. Alors justement, je vous montre les statistiques de cette rencontre entre le Bayern et la Lazio. Effectivement, il y a cette première demi-heure qui est moins maîtrisée que ne va l'être la suite de la rencontre, avec cette tête d'Immobilier qui... Ah, pour moi, c'est le tournant du match. Et je vais même te dire quelque chose, mon cher Romain, c'est le tournant de la double confrontation.
Enfin, j'aime bien Immobilier, hein, mais... Il n'a pas le droit. Ah, c'est criminel. C'est tribunal de l'AS. Criminel, je dirais. Enfin, c'est pas criminel. Enfin, criminel. En fait, c'est pas criminel. On a vu pire, on a vu pire. C'est pas criminel, mais c'est, ça en dit. La tête, il doit faire beaucoup mieux, mais. Est-ce que ça place pas la stature d'attaquant dans laquelle est Immobilier, quoi. Le fait que. C'est but. Moi, je pense que le Bayern se qualifie quand même. S'il y a le 2-0, enfin, s'il y a le but d'Immobilier juste avant le. Juste à la 30e. Avant l'ouverture du score. Moi, je trouve que la première demi-heure, elle n'est pas dingue, mais, non, pas dingue. Mais le Bayern Munich se procure quand même pas mal de situations. Ouais, ouais c'est vrai. Du coup, la qualification, vous l'avez trouvée tranquille ou pas, Walid? Ouais, plutôt tranquille. Ouais. Mm. Plutôt tranquille, même si, bon, voilà, on vient d'expliquer, la première demi-heure, il y a une incursion, une très, très grosse occasion de la Lazio, mais avant la très grosse occasion de la Lazio, il y a quand même beaucoup, beaucoup de situations de la part du Bayern Munich où le Roi Sané... fait des choix incohérents, notamment. T'as Moussiala qui est dangereux sur une frappe ou deux. T'as beaucoup de présence. T'as des incursions de Guerrero et de Kimmich qui sont assez importantes. Et tu sens que la décision va arriver, quoi. Tu sens que la décision va arriver. C'est un sursis, en fait. T'as une frappe d'Harry Kane un peu avant la demi-heure qui frôle frappe de Moussiala aussi. Une frappe de Moussiala. Mmh. Tu sens que le premier but, le but va arriver, ça va être comme du ketchup, quoi. Mmh. Après, donc c'est ce qui s'est passé. T'as ce but de Kane et cette volée de De Ligt poussée par un but typiquement Thomas Müller. Il en a mis 50, voilà, même à 50 ans, il en met pas. Par Thomas Müller. Des buts comme ça où il te regarde et il t'engueule. Exactement. et là, 2-0, la Lazio est obligée de. Ouais, parce que la Lazio de Sarri, par rapport à ce qu'on peut attendre d'une équipe de Sarri, c'est très décevant. Oui, après, ils sont à leur niveau. Septième de Serie A. Ils sont à leur niveau. Tu joues le Bayern de Munich, retour, etc. 7e de Serie A, globalement, moi je ne suis pas la fonte d'Alazio, mais... Ton joueur le plus important, c'est Guendouzi. Ah, voilà. Parce que... Donc, non, mais voilà, t'étais à ton niveau. Mais qualification tranquille, moi je m'attendais à ce type de match, j'ai eu ce type de match. Je m'attendais au doublé de Kane, je l'ai dit, je pouvais pas... Sincèrement, voir le Bayern de Munich se faire éliminer par la Lazio de Rome dans une saison où, en fait, hier soir, s'ils sont éliminés, ouais, moi, j'ai jamais vu une saison aussi horrible du Bayern Munich. Il faudra remonter à 2006, 2005, où on était... Les années sombres. On a rarement vu ça, quoi. Ouais. En février, pas de titre, pas de titre, plus Ligue des Champions le 5 mars. Entraîneur qui est viré à la fin de saison, qui aurait pu même être viré hier soir. Sincèrement, c'était très, très dur à imaginer. Et moi, j'estimais quand même qu'avec l'orgueil de certains champions dans cette équipe, qu'ils ne pouvaient pas laisser se faire éliminer de cette manière. Alors, si on passe à Thomas Tuchel, avant de parler de Kane, je vous pose la question de savoir si c'est un simple sursis pour Tuchel. Qu'est-ce que j'entends par cette question? En gros, est-ce que la qualification en quart de finale a acté le fait que Thomas Tuchel irait au bout de sa saison avec le Bayern? Oui. Oui. Je suis convaincu, sauf dégradation importante des résultats, parce que... Ah oui, mais d'accord, ok, mais si tu mets... je te pose une question, arrive, est-ce que c'est fini jusqu'à la fin de la saison? Il me dit oui, sauf s'il y a un truc. Non, mais parce que... En fait, c'est un grand paradoxe pour le Bayern de Thomas Tuchel, mais vous vous rendez compte, les gars, ils tournent à 2 points de moyenne en championnat. Ouais, enfin bon, ça va... Et c'est vrai, The Turnover a raison, Pavlovic a fait un très bon match au météo. Ouais, on va faire une petite parenthèse sur Pavlovic, mais dans le parcours qui est décevant de Thomas Tuchel, maintenant on peut le dire au Bayern... Il y aura un héritage, c'est Pavlovic. Tu vois, décevant, c'est pas terminé. Hein. Si le mec il gagne la Ligue des Champions, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Attention, on a vu. Sauf si on a vu des. Mais là pour le coup, c'est parfaitement en adéquation. Et là, je vais aller dans la continuité de ce que tu dis. Quand Thomas Tuchel t'expliquait qu'après son départ à venir, entre guillemets, il aurait les mains entre guillemets libres pour faire des choix. Et bien Pavlovic, ça participe à ça, parce qu'il pourrait très bien se dire, je vais mettre Kimmich sur le côté, je vais mettre Kimmich dans l'axe, et en gros, je vais essayer d'avoir une solution de bricolage à droite. Et le fait de continuer à mettre Pavlovic, c'est aussi un message envers Kimmich. En gros, moi, j'ai une solution qui est concrète, à savoir Pavlovic, et il me le rend sur le terrain. Donc, pour revenir sur ta question, pour moi, Thomas Tuchel va continuer jusqu'à la fin de saison, ou encore une fois, le Bayern a quelque chose à jouer en Ligue des Champions. Sauf quoi? Sauf élimination en quart de finale. Sauf élimination. Non, mais c'est vrai. Non, mais dramatique. Dramatique. Pour moi, il se fait éliminer en quart de finale. Genre il tombe PSV ou Dortmund et il se fait éliminer. Il tombe contre le PSV ou Dortmund en quart et il se fait éliminer. Ouais, il se fait éliminer. Mais même quoi qu'il arrive, moi, je pense que tu peux, sur les deux derniers mois,
est en autogestion. C'est quoi, c'est fin avril C'est la fin des quarts de finale, c'est le 16 avril. Ouais, c'est un peu tard. 16-17 avril. C'est un peu tard. Ouais. En vrai, sincèrement, la question, elle ne m'intéresse pas. Non, mais vraiment, je te dis avec le plus grand respect, Romain, c'est que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce match-là est un match bascule pour la saison du Bayern en Ligue des Champions? Non. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, en fait, je me dis que dans cette Ligue des Champions, en vérité, je me suis fait la réflexion hier. Bon, ça ne date pas d'hier, mais encore plus hier. Il n'y a rien qui a écarté, en fait, pour n'importe quelle équipe. Ah ouais. Bah, si t'as un... Mais aujourd'hui, si t'as les deux équipes qui se qualifient ce soir, qui jouent en quart... Aujourd'hui, le Bayern, il joue Dortmund ou le PSV. Il joue Naples ou Barça. Il joue Porto. Ouais. Ou Atletico. Il joue Porto s'ils sortent Arsenal. S'ils jouent... Bon, Arsenal va sûrement se qualifier, ouais. Mais... Atletico ou Inter, Atletico ou l'Inter, ouais. Le Bayern Munich sur les cotes, ils sont favoris, ils sont outsiders sur combien d'équipes à part City et le Real Madrid. Derrière City et le Real, ouais. Il y a le Bayern. Bah voilà. Donc au fait, aujourd'hui, après c'est aussi parce qu'ils sont déjà qualifiés. Oui, très bien. Mais aujourd'hui, sinon Arsenal pas. Aujourd'hui, rien n'est à écarter. Ils sont en demi-finale derrière. Oui. Mais voilà, tu peux dire ça pour tout le monde en fait. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux pas. Parce que le PSG, il tombe contre PSV ou Dortmund, ils sont en demi. Le PSG, on n'a rien écarté. Oui. On n'a rien écarté. Bah. Mais le débat, c'est le Bayern Munich. Mais le Bayern qui joue le Paris Saint-Germain, ils seront favoris. Oui, peut-être. Voilà, donc ils seront favoris. Donc, moi, c'est pour ça que moi, ce Bayern-là, même s'il est imparfait, même s'il est. Exactement, il est capable de se. Ils sont à 10 points. Il est capable de moi, se réanimer. Moi, je te le dis, on est au mois de mars, ce Bayern, mais je l'imagine aisément à Wembley. Ah ouais, d'accord. Aisément. Ouais, okay. Là, par contre, c'est ça le problème, en fait. Toi, ton problème, c'est que tu vois tout le monde à Wembley. L'Inter. C'est un tournoi. Le Real Madrid doit gagner. C'est un tournoi de MJC. Il y a 7 équipes. Il y a 7 équipes à Wembley qui seront là le 1er juin. Habibi, je t'aime. Je m'excuse. Je t'aime, Habibi, mais on ne comprend rien. Je m'excuse. Je vais enlever ce mot. Deux secondes, tu dis qu'il va. Non, je vais enlever ce mot. Et je vais m'expliquer de manière très claire. Tu peux l'imaginer, t'as dit? Non, juste, c'est quoi le terme que tu dis? Non, alors, je vais m'expliquer très clairement. Ouais. Si aujourd'hui le Bayern va à Wembley, je tombe pas de ma chaise. Mais tu tombes de ta chaise pour combien d'équipes en fait? Non, mais tu vois, il y a des équipes comme le Real Madrid en 2018, ils sont à la ramasse, et ils vont à Kiev. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as dit aisément. Non, mais aisément. Aisément, c'était pas le terme. Je l'enlève tout de suite. Je l'efface. Voilà, vous l'enlevez tout de suite. Elton, il voit le final light à Wembley. C'est bon ça. Non, mais voilà, mais aujourd'hui, c'est un Bayern. Non, ça oui. Ça. Il faudra avoir le tirage au sort le 15. On aura le tableau. Demain. C'est un Bayern qui peut capitaliser sur une arrière-garde qui a remporté la Ligue des Champions, qui est habitué au dernier carré, qui a des joueurs. Après, qui ne nous ont pas montré des signaux incroyables défensivement sur les dernières semaines. Ça, c'est vrai. À côté de ça, pour les sortir en double confrontation, attention, ça reste compliqué. Et tu peux compter sur un joueur, et c'est pour ça que c'est une transition, voilà, qui se dit, alors, c'est peut-être l'année ou jamais. Hier, je vais revenir sur ce que tu disais, Walid, notamment en émission. Tu disais, bon, si Kane n'y répond pas présent, là, on va commencer à ouvrir le dossier. Oui, mais on est obligé. Bon, on a une exigence. Je pense qu'il a commencé. On a une exigence, il en est à 33 buts en 33 matchs. C'est la dure loi du football, parce que même là, il vient de le faire contre la Lazio, mais les gens diront, mais c'est la Lazio de Rome. Tu vois ce que je veux dire? Et on verra en quart de finale, et on verra. Moi, je kiffe Harry Kane. Je suis un grand fan d'Harry Kane. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on soit cohérent par rapport à ce qu'on dit d'Mbappé, par rapport à ce qu'on dit d'autres grands joueurs, de Erling Haaland, etc. Et Harry Kane, hier, il se loue. Je mets Thomas Tuchel, mais je mets Harry Kane pas très très loin, où je dis le mec, il a coûté 100 millions d'euros. C'est bien beau tes pions, c'est bien beau tes buts, parce qu'il doit être à 30 buts, toute compétition confondue. 33 buts, c'est extraordinaire. T'as juste Mbappé devant. C'est extraordinaire. C'est marrant parce que. Mais mon pote, tu dois être là, tu dois être là sur une phase retour. Bah oui. Mbappé, il est à 34 en 34 matchs, et Kane, il est à 33 en 33 matchs. Ouais. Donc voilà, oui, il doit lutter contre ça. Surtout qu'en plus, il y a les 10 points en Bundesliga qui, malheureusement, jouent pas contre lui. Joue pas avec lui, même si c'est pas de sa faute. Mais justement, parce que ça revient sur cette idée-là, Harry Kane a cultivé un peu cette image de loser parce que avec Tottenham, il n'y a pas eu de titre remporté, parce qu'il y a eu avec l'Angleterre aussi ce raté en quart de finale de Coupe du Monde, parce que là, depuis le début de la saison, il tombe sur la seule saison où le Bayern, visiblement, ne va peut-être pas être champion. Est-ce que l'image de loser d'Harry Kane, elle est injuste? Elle est injuste, oui et non.
Pourquoi oui? Elle est injuste, oui et non. Ça ne tombe pas bien parce que je dois prendre c'est une question où je dois répondre oui ou non. Non, alors, non, alors je vais te dire. Tu pouvais me répondre oui ou non. Non, alors pour le coup, je vais m'avancer. Est-ce que c'est injuste? Je te dis non. Non, c'est pas injuste. Je te dis non parce que malheureusement pour Harry Kane, c'est la cruauté d'un très grand joueur. La cruauté d'un très grand joueur parce qu'on va leur exiger deux choses. Le rendement continu, c'est-à-dire chaque semaine, on les attend au tournant. Mais la cruauté pour un grand joueur, c'est que la fenêtre de tir pour être très très grand, elle est très très courte. Ce que je veux dire par là, c'est que le grand public va surtout regarder les grands matchs. Et à partir du moment... Les matchs TF1. Exactement. Et à partir du moment où sur ces matchs-là, tu tamponnes pas, et ben forcément, on va te renvoyer à une autre catégorie. Et pour le coup, Harry Kane, il y a eu des fenêtres de tir, ces fameuses fenêtres de tir, où il n'a pas été au rendez-vous. C'est injuste, mais c'est la réalité d'un grand joueur. Parce que le grand joueur, on peut pas le comparer à un joueur mid. C'est Saki qui disait ça. Moi, il y a des joueurs à qui je peux exiger 80%. Il disait ça à Ruud Gullit à l'époque où il était Ballon d'Or. À des joueurs moyens, je peux exiger 80%. Par contre, à toi, je vais exiger 100%. C'est la réalité d'un grand joueur. Et pour Harry Kane, il y a eu des fenêtres de tir où en 2016, il pète la forme et malheureusement, il tombe derrière Leicester. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière qu'en 2019, il y a une finale face à Liverpool. Il est pas là. Il est transparent. De non, la il, même est blessé, manière, il revient de blessure. Quoi, même blessure. Mais c'est injuste. De la même manière que sur le match qui, pour moi, était le match le plus important de la sélection anglaise, c'était le match bascule pour toute une génération. Il rate un pénalty face à l'équipe de France. Il rate un pénalty. Face à Loris, il faut le faire. Donc, et en le mettant au-dessus. Hein. Ouais, voilà, en la mettant au-dessus. Alors qu'il avait marqué son premier pénalty. Ce que je veux dire par là, oui, ça peut être injuste, mais à partir du moment où tu as un grand joueur, la fenêtre de tir pour que tu sois encore plus il grand... Il arrive au Bayern, il ne va pas gagner le titre. Ouais, c'est ça. Donc, bah, c'est pour ça. Bah, mais, voilà. Mais est-ce que c'est juste, c'est injuste ou c'est multiplié? Parce que c'est la réalité de l'histoire. On nous dit les matchs TF1, maintenant c'est les matchs M6. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi j'ai très peu de choses à lui reprocher. Il met 33 buts en 33 matchs. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, moi c'est un mec que je kiffe. Mais maintenant la réalité, c'est qu'à la fin de saison, il gagne pas de titre, ni avec l'Angleterre, ni avec le Bayern. Je me pose 2-3 secondes et je réfléchis. Parce que toi tu le voyais Ballon d'Or. Ah oui, mais moi je le voyais tout casser cette année. La réalité, il casse tout. Hein, il casse tout individuellement, mais la réalité, c'est que si, et c'est pour ça qu'hier, je l'attendais au tournant. Il a mis un doublé hier, donc on va pas parler mal de lui aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de saison, si avec la sélection, aussi la finale à Wembley contre l'Italie. Si avec l'Angleterre, de Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham, Declan Rice. John Stones, un tel, Alexander Arnold, Kyle Walker, voilà, tous ces mecs-là. Si le mec, il gagne pas un titre, cette année, à l'Euro, ben, je serais grandement déçu. Et si avec le Bayern Munich, il les ramène pas, entre guillemets, loin en Ligue des Champions, je serais aussi grandement déçu. Même si ce sera pas le seul responsable. Il faudra regarder la nature des matchs, il faudra voir ce qu'il a fait, etc. Mais la réalité, c'est que l'exigence, elle passe par là. On parle d'un top 3, top 5 mondial quand il est à son meilleur niveau. Oui, top 3 à son poste. Et top 3 à son poste. La réalité d'Harry Kane, c'est qu'il est très fort sur le contrôle continu. Mais maintenant, ce qu'on va attendre, c'est sur le contrôle QF5. Ouais, le contrôle QF5, celui qui va définir, celui qui va t'apporter beaucoup plus de grandeur et en même temps des trophées. C'est comme ça, c'est injuste, mais c'est la réalité du foot de très haut niveau où on aura très peu de mémoire par rapport à ce qui s'est passé sur le contrôle continu. On va beaucoup plus s'attarder sur ce qui s'est passé en fin de saison. Et bien, Harry Kane, il connaît cette règle. Harry Kane, l'image de loser est-elle injuste? C'est le oui qui l'emporte à 68%, le non à 32%. On va passer au match du soir. Mais qui a dit Santa Mike? Mais je comprends pas comment on peut dire des. Ben, relève pas alors. Non mais Santa Mike, c'est pas la première fois. Il est souvent là. Comment il peut comprendre? Comment il peut dire avec tous ses buts, tu reproches qu'il gagne pas de titre par sa faute? Bizarre votre façon de voir le football en vrai. Mais non. On a fait un débat en disant est-ce que cette image de loser est-il injuste? Est-ce qu'elle est réelle ou non? Elle est réelle. La réalité c'est qu'il doit répondre. Il doit y répondre. Cette année il vient au Bayern. C'est sa faute ou pas sa faute? La réalité c'est son histoire. Il vient, ils prennent 3-0 contre Leipzig en supercoupe d'Allemagne. Derrière, il rentre à la fin. Bien sûr, il rentre à la fin. Derrière, ils sont à 10 points de Leverkusen qui n'a pas gagné le titre depuis qui n'a jamais gagné le titre, même s'il met ses buts, etc. Il fait partie de cette équipe là. Si avec l'Angleterre, il ne gagne pas ou en tout cas il déçoit.
eh ben on pourra quand même dire que Harry Kane, il a été décevant. Oui, ça part de sa responsabilité. Maintenant, hier, il a répondu présent. On l'a expliqué. On est très très heureux et c'est ce qu'on attendait. Je vois pas en fait ce qu'on dit de. Et en plus, à chaque fois pour les actes manqués d'Harry Kane, si à chaque fois on établit des nuances. Ouais, mais parce que ce jour-là, il y avait un collectif qui était pas bien. Ouais, mais ce jour-là, t'as l'adversaire qui est fort. Ouais, mais à chaque fois, on respecte pas la stature du joueur en fait. Exactement. Ouais. On y va sur les matchs du soir. On y va, les matchs de Ligue des Champions, c'est tout de suite dans le coup franc. Walid face à Santa Mike, le classique. Non, mais je ne comprends pas. Comment en fait il peut comprendre tout ça alors que Kane. S'il y a bien une émission, s'il y a bien un mec qui est complètement fan de lui, c'est nous. Quoi. Ouais. Je ne comprends pas. Match du soir. Manchester City. Copenhague, Real Madrid, Leipzig. Je vais vous épargner le Manchester City-Copenhague où la cote de Manchester City est à 1,14. Le Manchester City s'est imposé 2-0 à l'aller. Je vous montre celle du Real. Le Real qui donc est misé à 98% de mise sur le Real Madrid aujourd'hui. 1% réparti entre le match nul et la victoire de Leipzig. Les cotes, les voici. 1,58 le Real au Bernabeu. Le match nul à 4,40. Leipzig à 5,30. Est-ce que quelqu'un voit une dinguerie ce soir? Non. Non. Non, pas de dinguerie. Par contre, il faudrait être sérieux du côté. La qualif de Leipzig à 6,75, on n'en veut pas? Non, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. Est-ce que quelqu'un voit le Real ne pas gagner? C'est possible. Le match nul à 4,40. Ah, donc ça veut dire, c'est fin de match, les deux fesses se disent bravo si le Real ne gagne pas. Pas forcément, parce que s'ils perdent un but d'écart, il y a la prolongation, non? Ouais. Ah, bah voilà. Oui, non, mais de là, dire les fesses se disent bravo, c'est pour moi. Sachant que, oui, tu fais bien de le dire, les cotes qu'on a ici sont les cotes en 90 minutes. Ouais. Non, mais un Real Madrid qui mène au score à la 70e minute, 1-0, et qui prend un but à la 85e, tu vois. C'est un peu comme le match, je sais pas si tu te rappelles le match de l'Atlético Madrid, là. Il y a trois semaines, le 1 partout, là, au Bernabéu. Ouais, exactement. Où ils se font égaliser. Le but de Llorente, ouais. Voilà, ils se font égaliser, ce type de match, quoi. Ouais. C'est possible. Moi, je te parle d'une cote intéressante, hein. Ouais. Dans un scénario où je t'invente un film qui peut être intéressant. Après, oui, pour moi, le Real Madrid n'aura pas de problème. Leipzig, c'est beaucoup trop sympa. Leipzig, voilà, c'est... Ouais, Leipzig qui n'est pas devant, une bonne dynamique. Devant, c'est l'équipe, c'est le pote qui te prête 200 euros et qui te les demande jamais, qui te dit c'est pas grave, tu les... Ouais, moi, tu les donneras quand tu auras le temps. Tu les rendras quand tu pourras, c'est ce mec-là. Moi, c'est ce que j'avais dit après le Bayern. Qui paye ton sandwich. T'as envie de donner à tous ces attaquants des madeleines parce qu'ils sont gentils, voilà, t'as envie de leur dire... Tu mets Openda là-dedans, toi. Ben, Openda, moi, sur le match aller, encore une fois, face à une charnière très expérimentale, je veux dire, il était question de quoi? Il était question de Tchouaméni, Nacho. Moi, j'attends beaucoup plus d'Openda. Après, peut-être qu'Openda, ce soir, il t'envoie une drill et, bah, oui, c'est et ça. il te fait un match marquant. Hein. On lui souhaite. Hein. 3-15, le but d'Openda, ça vous intéresse ou pas? Combien? Non. 3-15. Ouais, ça peut le faire. Openda, il peut, et ça peut être un match, mais je ne les vois pas jouer très haut, le Real. Donc Openda à 3,15, Sesco à 4,40, et ça va être le show Vinicius. Xavi Simons à 5,40. Je vais sur un attaquant madrilène. Dis-moi. Rossellou. Il va jouer titulaire? 2,35. Moi, je pense qu'il doit être titulaire. Parce que 2,35, c'est la même cote que Vinicius. La forme de Rodrigo, elle n'est pas bien. Rossellou doit être titulaire. Tu as besoin de ce point d'appui, de ce point de fixation dans la surface. Et Rossellou, il délivre ce soir. Attends, Rossellou ou Vinicius à 2,35, tu vas sur Rossellou? Je vais sur Rossellou. Je le dis avec conviction, je vais sur Rossellou. Okay. Toi? Facteur Bernabeu, je vais sur Rossellou. Je vais sur Vinicius. Vinicius à 2,35? Bellingham à 2,15? Non, je vais sur Vinicius. Vinicius à 2,35. Est-ce que on va voir les buteurs du côté de Manchester City? Oui, on va aller voir les buteurs du côté de Manchester City. J'ai peur sur Manchester City parce que j'ai l'impression que ça va être, il va y avoir de la rotation. Il y a Liverpool ce week-end. Il y a Liverpool le dimanche 6h45. Ah, ouais. 1,14. Après Guardiola, j'imagine qu'en conférence de presse, il a dû te sortir un exemple où il y a une équipe qui a perdu 3-1. Qui a perdu 3 au match aller, au match retour, ils se sont qualifiés. Les caméras. Ouais, parce que pour Guardiola, Copenhague aujourd'hui, c'est la meilleure équipe au monde, jusqu'à 23h. Ouais. je vous montre les cotes, les voici. Bah, moi, j'aimerais bien aller sur Kevin De Bruyne comme à l'aller. Pardon. Kevin De Bruyne comme à l'aller, mais je ne sais pas s'il va être celui-là. Moi, pour moi, il n'y a rien d'intéressant à 1-14. Il faut attendre les buteurs. Il faut attendre les compositions d'équipe.
J'entends des compositions d'équipe pour moi. Sur Manchester City. Ouais, sur Manchester. Ou alors sinon, moi, s'il y a un buteur et s'il est titulaire, je vais sur Alvarez. Julian Alvarez, il a 1,96. Bah, tu vois, bah, c'est même pas Julian ouf, Alvarez, 1,96. Foden, il est à 2,20. Bah, allons sur Foden, alors. De Bruyne, il est à 3,35. Un Jérémy Doku, tiens, qui se relance. De Bruyne à 3,35, s'il est titulaire, j'y vais tous les jours. Ouais. Doku à 3,40. Qui on a d'autres? Il aime la Ligue des Champions, De Bruyne. Il aime marquer en Ligue des Champions. C'est vrai. Ouais. C'est tout? Allez. C'est pas mal? Ouais. Allez. Merci Elton. Ça a été un vrai plaisir. Merci Walid. Merci à Arthur et David qui étaient en régie. Comme d'habitude, match commenté sur la chaîne de Winamax. Puis après, on a le débrief avec Thomas. Et puis ça sera pareil demain avec l'émission à 13h. Les matchs français, je crois que c'est Marseille qui commentait demain. Et puis il y aura le débrief le soir. Bonne journée à tous les copains. Merci. Bonne journée Ligue des Champions. Ciao. Et on se retrouve dans le WFC. Salut.